Bonjour à tous, c'est Michel Destruel et bienvenue aujourd'hui sur mon canal YouTube. Et écoutez, aujourd'hui, c'est un peu spécial. Je suis content parce que je vais interviewer quelqu'un, tout d'abord que j'apprécie énormément, que je commence à connaître depuis un certain temps. Et puis surtout, c'est une experte vraiment dans la spiritualité. Et j'attendais avec impatience vraiment cet entretien. Je vous présente Christelle Inglès. Comment tu vas, Christelle? Ben, ça va bien, Michel, et toi? Écoute, toute bronzée, je vois, tu reviens de Dubaï, c'est ça? Ouais, je reviens de Dubaï là. Tu sais que tu coaches un peu du monde un peu partout dans le monde, beaucoup au Qatar, etc. etc. Alors, j'ai voulu vraiment t'inviter parce que je voudrais qu'on parle aujourd'hui d'un sujet voilà, qui est important, qui est la spiritualité. Alors, des fois, les gens me disent, mais est-ce que tu… On me demande sa spiritualité. C'est vrai que j'ai une communication un peu dure des fois. Et donc, je me suis dit, non, lui, il n'est pas trop en spiritualité. En fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que j'adore ça. Mais je pense que la meilleure personne pour en parler, c'est une experte comme toi. Et c'est pour ça que je t'ai invité. Alors, est-ce que tu pourrais tout d'abord nous dire un petit peu, pour les profanes un peu comme moi, c'est quoi la spiritualité, à quoi ça sert et comment il faut s'en servir? Alors, la spiritualité, c'est c'est un univers, c'est une énergie, en fait, dans laquelle on est 100% libre. Voilà, c'est pour ça que c'est complètement différent d'une religion. Une religion, on a affaire à des enseignements qui sont écrits, etc., et qui sont dirigés souvent par des supports. La spiritualité, en fait, ce qui est magique, c'est qu'on a la possibilité de créer sa propre spiritualité. Il y a des gens qui vont croire en l'univers, d'autres en Dieu, d'autres qui vont croire aux guides, aux anges gardiens, d'autres qui vont croire en la source. Et réellement, finalement, ça reste un petit peu toujours la même chose. Mais si vraiment je devais définir la spiritualité, c'est pour moi un mode de vie, une façon de penser, un état d'être, surtout un état d'être dans lequel en fait on est censé être libre, passer les niveaux de conscience jusqu'à arriver au niveau le plus élevé qui est l'amour inconditionnel. Voilà. Alors ça, c'est très intéressant ce que tu dis sur l'amour inconditionnel parce que je regardais, je t'ai envoyé d'ailleurs il n'y a pas longtemps une photo d'une dame qui parle justement de l'amour, etc. et qui est femme d'avocat et journaliste à la base et qui dénonce d'ailleurs beaucoup de charlatans, d'exagération même tout ça et qui parle justement de l'amour inconditionnel et elle rigole, elle dit oui, l'amour, moi je ne vois pas les gens s'aimer comme ça, etc. En fait, elle ne comprenait pas, mais en fait, ce n'est pas ce qu'on peut penser. Tu peux nous expliquer un peu c'est quoi cet amour dont tu parles? L'amour inconditionnel, c'est un mot. En plus, on a une sémantique en français qui permet vraiment de définir chaque situation. On a plusieurs mots parfois pour une même situation, pour avoir vraiment des subtilités différentes. L'amour inconditionnel, c'est cette source, cette abondance qu'on est censé, je dis bien censé parce qu'on n'y accède pas tous, en tout cas dans une première incarnation. Parfois, il faut plusieurs incarnations pour y accéder. On prend des personnalités comme Ama, par exemple, qui est la dame en fait, qui fait des hugs dans le monde entier, qui fait des câlins. En fait, on fait des queues et des queues pour pouvoir faire un câlin avec elle. Et c'est une expérience juste extraordinaire. Bah, Ama a atteint ce niveau de conscience où en fait elle ressent de l'amour de manière inconditionnelle pour tous les êtres humains de la Terre. Elle n'est jamais, jamais, jamais touchée par le jugement. C'est-à-dire le jugement ne passe pas dans son mental, dans sa façon de penser. Elle trouve du beau et du bon dans tout le monde. Elle n'est jamais dans un émotionnel négatif, c'est quelqu'un de très aligné, c'est quelqu'un de très pur et c'est quelqu'un qui ne fournit aucun effort pour être dans cette énergie-là. Donc, si je comprends bien, quelque part, pour atteindre un certain niveau de conscience, il y a aussi quelque part ce concept du pardon, c'est-à-dire être capable de pardonner, non? Oui, c'est complètement. Il y a certains qui ont beaucoup d'ego. Oui. Bien sûr, c'est pas simple en plus. Alors, pour atteindre les niveaux de conscience, ce qu'il faut faire, c'est déjà, il faut distinguer deux choses. On est des êtres spirituels. On est des êtres spirituels. On est une âme venue s'incarner dans un corps physique. Voilà. On est des âmes
venu s'incarner dans un corps d'être humain. On a choisi, d'ailleurs, on choisit notre incarnation puisqu'on choisit nos parents aussi. En tout cas, c'est ma propre spiritualité. Voilà. Ouais. Et moi, je pars de cette information-là que je reçois en continu. Et quand on s'incarne, en fait, on choisit son incarnation. Et finalement, ce qui va se passer, c'est qu'en tant qu'être humain, on va être confronté à une éducation. On va être confronté à la vie matérielle, puisqu'on a choisi de s'incarner dans cette vie matérielle. On n'a pas choisi de s'incarner dans une autre dimension. On n'a pas choisi de s'incarner dans une coccinelle ou dans un arbre. On a choisi un corps d'être humain, en plus dans les années 2000. Et donc, on va être confronté à plusieurs situations, plusieurs personnes, en l'occurrence, dans un premier temps, d'ailleurs, l'éducation, même la vie intra-utérine. Et tout ce processus va fabriquer ce qu'on appelle la personnalité, le masque, donc l'ego, qui vient donner beaucoup d'énergie en fait au mental le mental est une énergie assez forte chez l'être humain. D'ailleurs, l'ego, le mental, qui est aussi une source d'énergie qui peut être très positive dans certaines situations, à condition qu'on sache vraiment bien l'utiliser. Mais la problématique du mental et de l'ego, c'est que ça parle plus fort. C'est beaucoup moins subtil que l'âme. L'âme, c'est un... quand ça communique, quand ça parle et quand ça s'exprime, c'est très subtil. Et l'ego, s'il est trop présent, c'est-à-dire si les personnes ont vécu certains traumatismes ou si les personnes ont été... les êtres humains, dans leur enfance, n'ont pas été entendus, écoutés, compris, consolés, rassurés, sécurisés, ils vont grandir avec... certains mécanismes de protection. Et en fait, ces mécanismes de protection vont forger la personnalité, donc l'ego, et cet ego qui éloigne en fait de l'âme, qui éloigne de notre essence en fait. Et ce mental, c'est ce qui nous empêche de passer les niveaux de conscience. Donc la solution pour passer les niveaux de conscience, déjà d'une part, c'est de faire une introspection, de toquer à la porte des bonnes personnes et des bons thérapeutes. Il y en a plein. Même si on dit qu'il y a plein de charlatans, il y a aussi plein de belles personnes. Bon. Merci. Merci. Et donc, de faire ce travail d'introspection pour comprendre son histoire, sa mission d'incarnation, son incarnation, sa propre incarnation. On a tous une incarnation. C'est-à-dire qu'on arrive tous avec une certaine lumière, une puissance, tous. Hein. Ça, c'est inconditionnel. Et cette lumière, elle s'éteint où elle reste active en fonction des gens. En principe, elle s'atténue toujours un petit peu pour tout le monde. Hein. On fait tous ce travail un petit peu de révélation. On finit tous par se trouver à un moment donné. Certains se trouvent dans d'autres incarnations. En tout cas... Justement, il y a combien... Ça, c'est une question qui me tarabuse. Je suis sûr qu'il y en a plein, ils ont cette interrogation. Est-ce qu'il y a un nombre de réincarnations ou c'est illimité? Moi, je ne sais pas. Okay. Je ne sais pas. En revanche, l'information que moi, je reçois, j'arrive à savoir si la personne est une vieille âme, si c'est une jeune âme. Voilà. J'arrive à savoir si elle est dans ses dernières incarnations. Ça se voit assez rapidement. Okay. Les gens qui sont éveillés, ouverts, qui ont des ressources. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, l'ego, en gros, coupe nos propres ressources intérieures. Par exemple, il y a des ressources de l'ego et des ressources de l'âme. Par exemple, bouder est une ressource de l'ego. Se plaindre est une ressource de l'ego. Bien sûr. Voilà. En revanche, écouter est une ressource de l'âme. S'affirmer. Pardonner est une ressource de l'âme. L'empathie est une ressource de l'âme. Voilà. Il y a des ressources de l'ego et des ressources de l'âme. Pour pouvoir passer les niveaux de conscience, il faut avoir conscience déjà de tous les enseignements existentiels. Il faut comprendre sa propre histoire, c'est-à-dire comprendre le schéma généalogique un petit peu, la relation avec les parents, etc. Souvent, c'est quand moi, je dessine des schémas d'incarnation, j'arrive à comprendre l'histoire des gens, en fait. Évidemment, au travers de ce qu'ils me partagent aussi, hein, puisque je ne suis pas voyante, hein, j'ai juste développé et travaillé des facultés de clairvoyance. Donc, en fait, quand on comprend tout ça, on arrive à comprendre, en gros, quel est notre programme limitant, quelles ressources ont été éteintes ou bridées, d'accord ? Quelqu'un, par exemple, qu'on aurait humilié, va potentiellement peut-être se soumettre, donc va déclencher une ressource de l'ego qui est la soumission, il va se soumettre parce qu'il veut être aimé. Et en fait, ça va... brider ou bloquer sa faculté d'affirmation, sa ressource d'affirmation. La ressource d'affirmation, quand on ne l'a pas,
ça porte préjudice à toute notre vie, en fait. Les gens qui ne savent pas s'affirmer sont des gens soit qui dominent, soit qui se soumettent. Et la réalité, c'est qu'on doit être à sa place. On ne doit ni se soumettre, ni dominer. On doit être à sa place. Et pour ça, il faut certaines ressources. Et quand on comprend tout ça, et qu'on vient, au travers d'un certain travail, récupérer ces ressources qui ont été éteintes, en plus, qui nous appartiennent, et qui souvent sont à l'intérieur de nous, et on se dit, mais oh, je ne savais même pas que j'avais fait ça. C'est-à-dire qu'en coaching, moi, j'ai des gens qui me disent... Je savais même pas que j'étais ça, quoi. Et quand on réactive ou qu'on reconnecte à ces ressources avec les gens, en fait, ils accèdent à leur essence. Bien, en fait, ce qui est génial, c'est qu'ils réparent toute une généalogie. Oui, c'est-à-dire qu'on renvoie ça la lumière. C'est une reconnexion, c'est ça? Oui, c'est un travail de reconnexion, c'est un travail de reprogrammation. Il y a quelques années. C'est incroyable. Alors, j'ai une question bizarre des fois, mais bon. Tu me connais. Une âme, alors écoutez bien ça, parce que je vais chercher loin. Une âme dont on peut se réincarner, mais est-ce que c'est une âme que sur la planète Terre ou est-ce que ça peut être une âme de partout dans l'univers? Je vous reçois une question. Non, ça peut être plein de choses. Voilà. La réalité, c'est que... Bon, après, moi, je ne suis pas spécialisée là-dedans, mais en revanche, j'ai déjà fait des stages avec... justement des personnes qui eux ont se sont c'est pas qu'ils se sont spécialisés, j'aime pas parler comme ça, c'est juste qu'ils ont accédé à ça. On accède tous à quelque chose. Eux, ils ont accédé à ça, tout ce qui est sortie de corps, voyage astral, etc. Et en fait, on est dans un plan multidimensionnel, on est dans un plan, il y a plusieurs dimensions, plusieurs espaces-temps, il y a plusieurs choses. Donc, la réalité, c'est qu'on est interconnectés. En fait, même nous, en tant que... Alors, pas forcément en tant qu'être humain, mais notre âme, elle peut être dans plusieurs dimensions en même temps. OK. Voilà. Donc, c'est assez... Alors, il faudrait vraiment discuter de ça avec un spécialiste. Il y a des gens qui sont... C'est fascinant, hein, parce qu'on les sent vraiment alignés. Eux, ils le vivent, ils expérimentent dans les voyages astrales. Ce que tu me dis là, si tu veux, ça rejoint... que j'ai vu certains thérapeutes au Mexique ou un peu ailleurs qui m'ont dit qu'ils ont fait des régressions passives, des retours dans une vie passée, ça tu connais, et je connais deux thérapeutes, deux copines d'ailleurs, et qui m'ont en tout cas partagé lors de ces sessions, voilà, elles étaient en connexion avec une âme qui n'était pas terrestre. Et avec même un langage qui n'existe pas. Enfin, voilà, c'était très particulier. Et donc, moi, bon, tu le sais, moi, je n'ai pas de barrière psychologique à ce... Moi, je pense personnellement que ce n'est pas possible qu'on soit les seuls dans l'univers. Donc, mathématiquement par là, c'est impossible. Et je pense aussi qu'il y a des multivers, etc. Bon, ça, voilà. Maintenant, revenons à nos moutons, j'ai envie de dire. Pour justement travailler au niveau de ces états de conscience, tu conseilles quoi? De la méditation, c'est quoi tu penses qu'en tout cas que voilà que comme profane un nouveau arrivant là devrait commencer par quoi s'il est intéressé justement par ce domaine? Alors Bouddha disait l'ignorance c'est la racine du mal. Voilà, c'est une phrase qui m'accompagne tous les jours. En fait, on a l'impression que plus on va savoir les choses, c'est pour ça que les gens reculent. Ils ne veulent pas savoir. Parce qu'ils se disent, voilà, si je vais déterrer le truc, qu'est-ce sur quoi je vais tomber? Et depuis des années, ils font la technique de l'autruche, ils utilisent la fuite, le déni, tout ce qu'ils veulent. La réalité, c'est qu'on ne peut être que heureux quand on est conscient des choses, parce que c'est quand on sait où ça déconne qu'on peut réparer. Donc forcément, si on ne sait pas où ça déconne, la problématique, elle continue d'exister et elle continue de nous faire mal. On a beau vouloir lui échapper ou vouloir l'éviter, la réalité, c'est qu'on est toujours rattrapé. Donc la première chose que j'aurais envie de conseiller, c'est de travailler sa conscience. C'est-à-dire, déjà, d'une part, pour travailler la conscience, il faut avoir un minimum d'humilité. L'humilité, ce n'est pas forcément cette ressource où on dit « oui, il ne se la pète pas » ou « il se la pète » ou « il est prétentieux », ce n'est pas ça. C'est la capacité de se dire « ok, je ne sais pas forcément tout, il y a des choses peut-être que j'ai besoin d'apprendre, besoin de savoir, besoin d'améliorer, comment je peux faire, avec qui je peux le faire, peut-être qu'il faut que j'aille toquer à une porte ». En fait, c'est cette capacité d'ouverture et d'acceptation qu'on a des choses à réparer, à travailler. Et ça, c'est de l'ordre du commun des mortels. Je ne connais pas une seule personne, même les plus puissantes de cette terre,
qui n'est pas ce travail à effectuer. Donc, faire un travail de conscience, c'est important. Donc, s'ouvrir, il existe vraiment des enseignements existentiels. Je pense que quand on comprend et qu'on a les clés de notre existence, la vie devient un jeu. Mmh. Et moi, je joue avec tout ça. Je suis comme tout le monde, je suis un être humain, je suis venue m'incarner dans une vie matérielle, mais mon niveau de conscience me permet de jouer avec mes émotions. C'est-à-dire que, par exemple, si demain je fais une connerie avec mes enfants, je ne vais pas me flageller pendant 10 ans. Je vais en rire, par contre, je vais engager des excuses, de la communication, je vais essayer de me comprendre, je vais faire en sorte que cette situation-là se répare à l'instant où elle doit être réparée. Et c'est vraiment ça qui est important, donc d'être éveillé et d'être en conscience. Parce que je pense qu'il faut s'ouvrir un petit peu aussi à faire taire le mental, c'est-à-dire à créer des espaces de pseudo-silence, en fait. Et pour créer ces espaces de pseudo-silence, il faut rentrer dans un état de conscience modifié. Par exemple, la méditation permet de le faire, la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, pour moi, c'est l'outil le plus accessible et le plus simple. Parce que la méditation, les gens, pour eux, c'est dur de méditer. Ouais, c'est dur, c'est vrai. J'ai beaucoup de retours à ce niveau-là. Les gens, ils galèrent, ils ne savent pas. Ils galèrent parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à se concentrer. En fait, ils n'ont pas compris que la méditation, le mental continue d'agir et qu'il se teste vraiment, il faut beaucoup d'entraînement et que ce n'est pas grave en fait. On n'accède parfois même pas à cet état de silence vraiment complet. Pourquoi ? Parce qu'on est quand même malgré tout des êtres humains. Donc, le mental, il hurle et puis il y a les bruits, il y a tout ça. Donc, le faire taire complètement, non. En revanche, l'acceptation du bruit dans le silence, oui, c'est ça méditer. Et donc, la cohérence cardiaque, c'est plus accessible. Pourquoi ? Parce que c'est guidé et qu'en fait, on va aligner notre respiration en fait, à un son. Et en fait, on a une espèce de concentration. Et comme la respiration permet en fait, de réguler vraiment le rythme cardiaque et comme on a cette concentration sur la respiration, le mental ne peut pas vraiment faire deux choses en même temps. Donc, on va plus facilement rentrer dans un état de conscience modifié. C'est pour ça que c'est la cohérence cardiaque, vous avez ça sur plein d'applications. C'est ultra simple. Moi, c'est le premier outil que je mets à disposition des personnes que j'accompagne parce que c'est vraiment puissant et très accessible pour tout le monde. Ça dure combien de sessions, par exemple, de cohésion cardiaque franchement, ce n'est pas la peine d'en faire des tonnes. Moi, j'arrive à un point aujourd'hui où je médite beaucoup moins qu'avant. Okay. Parce que pour l'instant, je n'ai pas de signes, je n'en ai pas besoin, je n'en ai pas forcément envie. J'ai des périodes aussi où je médite beaucoup plus. Je suis énormément à l'écoute de mon corps, des signes, de tout ça. Après, c'est tout ce que je transmets, je l'incarne à 100%. Quand je ne sais pas, je me tais. Mais ça va faire tellement longtemps aujourd'hui que j'ai conscience de tout ça. J'étais jeune quand j'ai eu conscience de tout ça, donc... au fur et à mesure, on devient plus fort, en fait, dans tout ça. Mais pour dire à peu près 5 minutes, honnêtement, 5 minutes par jour, ça suffit. Voilà. Et si on peut faire, par exemple, 3 minutes 3 fois par jour, c'est génial. Ok, génial. Écoute, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont s'y mettre. Là. Tu nous as motivés à cela. D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis aussi sur la méditation parce que j'ai vu pas mal de reportages à ce niveau où des experts dans ce domaine ont remarqué que des gens comme Einstein, des gens comme Michelangelo, enfin, des gens qui ont marqué le monde, en règle générale, tous méditaient. Ils avaient une connexion avec l'univers, l'univers leur parlait, leur donnait des signes, des voix, et c'est comme ça qu'ils ont fait de grandes découvertes ou qu'ils ont impacté le monde. Et donc, il y a quand même des signes, des marqueurs très forts qui devraient inciter les gens à se mettre en connexion avec l'univers. Parce que le problème de l'ego, tu parlais de l'ego tout à l'heure, mais je me suis rendu compte, parce qu'en parlant avec plein de gens, il y a des gens, tu sais, qui sont ultra fermés sur ça. Pour eux, il n'y a que l'être humain, ça n'existe pas ailleurs, ce n'est pas possible. Il faudrait des preuves pour eux. Hein ? Il faudrait des preuves pour eux. Oui, bien sûr, mais il faut toujours des preuves pour eux. Tu sais comment ils sont. Et le truc, c'est qu'on ne connaît même pas, on connaît qu'il n'y a que, et encore, on connaît avec les trucs, la technologie d'aujourd'hui, avec ce qu'on peut voir dans l'espace, on connaît que très peu de l'univers.
Et on ne connaît pas l'après, on connaît, il y a de plus en plus de théories, Elon Musk en a parlé, des multivers, etc. Donc on ne connaît rien du tout. Mais le problème, c'est que l'ego, encore une fois, non, la race humaine est la meilleure. Mais la race humaine, c'est incroyable. Mais bon, en tout cas, merci pour ces tips. Qu'est-ce que je voulais te demander? Et je rajouterais peut-être un autre tips. Je rajouterais faire des demandes et des gratitudes. Ah, ça, c'est, et ça, ça doit alors, être. Est-ce que tu ça doit devenir automatisé. La demande. Et pourquoi la gratitude? Parce alors, que les gens, encore une fois, moi je connais plein de gens, mais ils sont sympas, leur gratitude, gratitude par-ci, gratitude par-là. C'est comment ils sont? Je suis cash, tu me connais, parce que je sais comment. En fait, je retranscris ce que les gens disent. Mais bien sûr, bien sûr. Voilà, je sais bien, je les ai ces informations, je les reçois aussi. C'est bien. Et ils pensent que les gens sont des perchés avec ça. Et moi, je parle aussi de gratitude, mais les gens ne comprennent pas. Donc, pourquoi une demande et pourquoi la gratitude? Et moi, j'aime bien donner en fait des explications rationnelles. Mais c'est ce qu'ils ont besoin. Parce qu'en fait, l'idée, c'est comment on arrive à engager des gens à être plus spirituels. Parce que la réalité, c'est qu'ils peuvent choisir en plus. Moi, je les force ni à croire en Dieu, ni à croire en quoi que ce soit. Je leur dis simplement, ouvrez-vous au fait que potentiellement, une dimension, quelque chose de plus puissant est là. Et c'est à notre disposition. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Ça n'engage rien. Ça ne coûte rien. Je veux dire, ça ne peut que faire du bien. Ça fait du mal à personne. Donc réellement, pourquoi ne pas tester? Pourquoi ne pas pousser cette porte? Alors pourquoi la gratitude? Parce que tout simplement, la gratitude permet de prendre conscience de ce qu'on a. Pourquoi les gens ils sont malheureux? Pourquoi les gens ne vont pas bien? Parce qu'ils perdent la notion et le discernement. C'est-à-dire, ils ne se rendent même pas compte qu'ils appuient sur un bouton et qu'il y a la lumière dans leur maison. Qu'ils ouvrent un robinet et qu'il y a de l'eau et qu'il y a tout un système derrière des gens qui ont conçu tout ça et que c'est d'une facilité, mais d'un privilège extraordinaire. Ils ne se rendent pas compte que des frigos, des réfrigérateurs préservent leur aliment pour qu'ils durent plus longtemps. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a plus de l'espérance de vie était de 30 ans. Exactement. Et donc, la gratitude, à quoi elle sert? Elle sert en fait à dire merci pour des choses qu'on a déjà. Donc, ça permet de reconnecter les gens, de leur permettre de reprendre conscience, en tout cas de prendre conscience de ce qu'ils ont. Parce que la réalité, c'est que quand on dit merci tous les jours pour ce qu'on a, finalement, on n'est plus dans la frustration et on n'a presque plus envie d'avoir autre chose. Ça ne nous empêche pas d'avoir des objectifs, mais on ne se lève plus avec cette sensation de « Ah, je veux ci, ah, je veux ça, je ne l'ai pas » et je me sens frustrée. Parce que vouloir des choses, c'est bien, mais les vouloir et se sentir frustrée parce qu'on ne les a pas, ça, ce n'est pas bon. Et combien voilà. J'en connais comme beaucoup de choses et qui sont malheureux énormément. Et ils pensent que c'est en ayant beaucoup de choses qu'ils vont devenir heureux, mais ce n'est pas ça la clé. Exactement. Donc la gratitude, ça sert à ça. Et les demandes, pourquoi? Parce qu'en fait, on est déjà, on a cette connexion à la source qui peut être une connexion à l'univers, connexion au guide, connexion à nos anges gardiens, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, peu importe. L'angélothérapie au Mexique, c'est très, très, très poussé. Ouais. Et oui, il y a vraiment des choses extraordinaires. Moi, depuis toute jeune, j'ai toujours demandé des choses. Toutes ces choses sont toujours arrivées, tout le temps. La réalité, c'est qu'on pourrait demander encore plus, mais on ne s'autorise pas forcément. Des fois, on se dit, oh, c'est un peu trop quand même. Du coup, on ne s'autorise pas trop, mais on sent que quand on demande, on a. Alors, la demande, elle doit être... Il y a une technique pour faire une demande. Première chose, quand on demande, déjà, on y croit. Il faut avoir cette ressource de foi. Les gens qui font que demander, peanuts, ça ne marche pas. Ouais. Ensuite, il faut demander à haute voix. Parce qu'il y a une résonance. Je ne vais pas rentrer dans de la physique quantique. Hein. Il faut juste savoir qu'il faut le demander à haute voix. Ça marche beaucoup mieux que de le demander intérieurement. Et ensuite, il faut mettre en place une action. Il faut être en mouvement dans le sens de ce qu'on demande. Par exemple, si moi demain, je veux gagner 100 000 euros par mois, mais que je reste allongée dans mon lit, je ne vais pas avoir ces 100 000 euros par mois. Par contre, si je me mets en mouvement dans le sens pour avoir ces 100 000 euros, en fait, je vais recevoir des synchronicités, des ressources, des choses qui vont m'amener à avoir ces 100 000 euros par mois. Voilà. Donc, il faut vraiment comprendre ça. C'est pas de la magie, c'est quantique. Ceux qui s'intéressent à la physique, d'ailleurs, j'invite tout le monde à s'intéresser à la physique quantique, regarder des tutos, des vidéos
sur la physique quantique, vous verrez que il y a des explications qui sont assez puissantes. Maintenant, ça fait longtemps. La NASA, d'ailleurs, s'intéresse à la physique quantique, aux sorties de corps. Enfin, il y a vraiment des trucs de fou. C'est plus comme avant. Il y a un documentaire sur Netflix aussi qui parle des sorties de corps, mais aussi des morts imminentes, etc., etc., où on comprend beaucoup mieux l'après. Enfin, ce n'est même pas un après, c'est une continuité. Mais, c'est une continuité. Voilà. Mais ça peut rassurer pour ceux qui flippent un peu comme moi. En tout cas, les amis, c'était… On se retrouve tous après. Ben oui, c'est ça. De toute façon, c'est ça qui est intéressant. Donc, autant être heureux, aimer les gens, aider un maximum de personnes et puis voilà, faire preuve de gratitude, comme tu as dit, parce qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. Moi, je suis au Mexique, tu sais, j'ai une association. Les gens, ils verraient ce que moi, je vois par moment. Ça les remettrait les points sur les i, les t sur les barres. Ça remet les pendules à l'heure, ouais. C'est remet les pendules à l'heure. Malheureusement, il faut toujours attendre que… C'est que l'univers envoie des signes, la source, Dieu, appelez ça comme vous voulez, envoie beaucoup de synchronicité. C'est vraiment des opportunités. C'est pas des… Souvent, les gens, ils ne prennent pas pour des pions. Une question très intéressante par rapport à la source. Est-ce que les âmes, c'est un tout? Oui. Tout est un tout. Tout est un tout, on est d'accord. Tout est un tout. Alors, c'est quoi un tout? C'est juste comprendre qu'on est tous interconnectés et qu'en fait, réellement, c'est comme quand on parle, qu'on arrive à sentir l'abondance. Je sais pas si, bon, je sais que tu expérimentes l'abondance matérielle. Pour te connaître, je sais que tu expérimentes aussi l'abondance d'amour, puisque j'ai eu l'occasion de pouvoir participer à plusieurs de tes événements, etc. Et comme j'ai encore plus cette sensibilité, donc je sais très bien que tu l'expérimentes, ben c'est le même concept. L'abondance, quand on la ressent, quand on l'a à l'intérieur de soi, en fait, on n'aime plus comme on aimait quand on ne l'avait pas avant. C'est-à-dire, on n'aime pas en possédant. C'est une énergie qu'on a en soi et on aime, en fait. C'est comme ça. Et le tout, c'est un petit peu ça. C'est juste comprendre que tout est interrelié, qu'on est vraiment tout est énergie. Donc, l'énergie, c'est pas dissocié, en fait. C'est dissocié dans la matière, mais c'est pas dissocié dans l'énergie. Génial, Christelle. J'ai passé un moment incroyable avec toi. Franchement, je pense qu'on refera une interview parce que là, je me suis régalé. Il y a tellement de choses à dire. Je suis sûr que les personnes qui vont visionner cette entrevue vont penser pareil. Les amis, d'ailleurs, mettez-moi en commentaire si vous voulez un autre interview avec Christelle, on essaiera de développer un peu plus. Et puis, n'hésitez pas aussi en commentaire à nous dire si vous pensez que nous sommes les seuls êtres humains dans l'univers ou est-ce que vous pensez que, bien sûr que non, nous ne sommes pas seuls. Christelle, c'était un plaisir pour moi de t'accueillir aujourd'hui. Je te remercie, moi aussi. Et on va mettre dans la description tes réseaux sociaux, tes contacts, etc. Vous pouvez la contacter. Alors, moi, je ne suis pas très incarnée dans la matière. Vous verrez que mes réseaux sociaux ne sont pas très développés. Mais je m'y mets d'ailleurs, justement, parce que il faut aussi savoir s'incarner dans la matière. Il faut aimer la matière, aimer l'argent, aimer tout ce que la vie nous met à disposition. Ce n'est pas indissociable et ce n'est pas incompatible avec la spiritualité, bien au contraire. Ça, c'est très bien ce que tu viens de dire, parce que très souvent, les gens pensent, quand ils sont dans la spiritualité, justement, que l'argent, c'est mal. Voilà, et c'est pas vrai. Oui, en effet, il y a des gens qui sont mauvais, peut-être, qui connaissent l'argent. Ça, je suis désolé pour eux. Je m'excuse pour eux, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et avec l'argent, on peut aussi aider les gens à pouvoir manger mieux, à se sentir mieux. Même pour nous, c'est l'avant, c'est du confort. Exactement. Christelle, merci beaucoup. À très, très bientôt, les amis. Vous likez cette vidéo, vous la partagez, vous commentez, vous la mettez partout sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse très fort. Christelle, à très, très bientôt. Merci, à très bientôt.